un petit robinet extérieur, des lumières extérieures sur la maison. Dobar dan. Sad će Miloš sve da pokaže, da objasni. U redu, hvala. Evo, kako ste? Super. Dobro, hvala. Evo ovako, započnemo od ovoga najnižnog sprata, samo do gore. Dobro. Znači, doma je druga kuća, koja je zabije se svetlo osvrnalo. Nema svetla na radi? Ima nora da radi. Super, hvala. Dobro. Ovako, ovo je taj prvi sprat. Ima 6x6 kvadrata. Ok. Ima jednu spavaču sobu i jedan toalet. U redu. U redu. Donc là on est dans le salon principal. Donc un poêle. Tout est vendu meublé. Voilà. Donc on est sur du chauffage électrique en plus du poêle, bien sûr. Ça c'est tout à fait possible. Petite cuisine aménagée ici. Donc là on a un mix, on peut faire cuisine gaz et cuisine à l'électrique. Voilà, tout électroménager. Un petit miroir sympa. Voilà la salle d'eau qui est très correcte. Hein. Avec le lave-linge, donc tout ça est très récent, hein. C'est vraiment très bien fini. Voilà. Spavatiasova. Spavatiasova, donc on a la chambre, ici la première, au rez-de-chaussée. Tac. Avec un chauffage ici, et il n'y a pas de climat. Ou soda. Poche pogled. Dakle, za sprat mora da ide... Ali idemo prvo ovaj donji, ima još da ti pokažem. Aha, vidim. Sada pokasim. Normalno. Jedan je ostalo otvoreno, ovo sinoć pa je voda ubačila. Aha. Mi smo zatvorili bine, da nam je voda bila... Prozori su ostavili bine otvoreni. Evo ovako. Pored ovoga ima, kako se zove, podrum. Podrum, u redu. Ja ne znam kako je to kod vas. Pa kod nas... Ona nije nešto sređena, ali je tu od prilike nekih, ima 10 kvadrata. Da. Podrum kao ostalo, to nije loše. Da. To je dobro da ima, ima mjesta. Pa ima, kako ne? Ima. Super. Donc ça c'est la petite cave. Hop. Pored ovoga ima ovaj ko studio apartman. Okej. Ona ima... Već uspjela, ona ima neđe oko 16-17 kvadrat, ja mislim. Dobro, dobro, klim ovdje. Donc on a la clim. On a lit de place. Cuisine aménagée. Voilà, avec un petit lave-linge et la petite salle de bain. Tac. La petite salle de bain, donc avec tout, la douche, la toilette, tac, et la télé, ici, accrochée. Voilà. Onda ovo je sve dolje pripada isto kao terasa. U redu. Super. Donc la terrasse ici c'est pour le studio. Ok. Quelques petites marches. Aha. Donc là le terrain. Ok, donc là le terrain il va jusqu'à la pierre là. Ok. Ok. Et ça va jusqu'en bas. Donc ça fait un beau terrain. Là où il y a les tomates. Juste là. Tac. ima ulaz sa donje strane, ali čemu da ne bi kružili? Vidiš, vi ste ušli ovdje. Da, okej. Vidio sam prije... Evo vidiš, on je tamo, a ovo svaki je zasebno ulaz. Donc ça c'est l'entrée. Quand on arrive avec les voitures là, on peut rentrer sur le deuxième étage de la maison. Et comme ça, on a tout simplement l'entrée privative. Super. 97, ok. On a un plafond voilà, qui est très très haut. Hein. Et ici, donc, on est beaucoup mieux qu'au... Enfin, le deuxième étage est beaucoup plus sympa. Hein. Grande cuisine aménagée. On voit la vue, elle est juste incroyable. Elle est juste incroyable. Tac. Voilà. Super. Ok. Dobro. Ovo je jedan od skupljih parketa bambusovih. Ah, super. Donc là, pareil, on a toujours les plafonds hauts. Et donc là, c'est une très grande chambre. On a ce super lit de place avec un matelas de très grande qualité. Voilà, avec bien sûr l'armoire. Et un petit miroir ici. Juste ici. Et le chauffage. Et la clim dans la chambre. Voilà. Et... voilà, la salle de bain, donc on a bidet, WC, lave-linge comme en bas, mais elle est un peu plus grande, hein, et elle est mieux finie. Et on a quand même une fenêtre ici qu'on peut ouvrir en oscillobattante ou en ouverture à la française avec des moustiquaires. Hein? Ah, imaš pravo. Da. Bon, on va laisser ouvert. Hop. Super. Et là on a encore un super rangement très très haut. Ça fait au moins 2,50 m ça aussi. Je vais aller sur la terrasse. Hop. Donc voilà. La terrasse qui est très très agréable. Et qui est d'ailleurs partiellement couverte avec... Vous voyez les petites paillotes là. Alors ça ne couvre pas 100% de la pluie, mais l'été c'est agréable pour l'ombre. Voilà, et elle fait toute la longueur en fait du deuxième étage, donc vraiment une super maison en pierre. Et donc voilà, on a vu sur... Bon, on domine Budva. Et ça c'est seulement à 8 km. Allez, on est à 8... C'est ça, on est allé à maximum, là on est à 10 minutes de la ville en bas. Avec une super route toute neuve, avec des glissières de sécurité. Une route qui est à 3 voies, c'est-à-dire qu'il y a 2 voies en montée. Voilà, on peut doubler, etc. Donc voilà, là aujourd'hui il pleut quand je fais la vidéo, mais c'est pas tous les jours comme ça, vous en doutez bien.